Chers amis, bonjour. Nous sommes le mercredi 14 juin 2023. Il est 9h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Une nouvelle fois, Aliyev, qui avait menti à Moscou, donc face à Poutine et Pachinian, en affirmant qu'il n'avait jamais évoqué le corridor de Zangezur, a une nouvelle fois évoqué le corridor de Zangezur, selon les médias azéris, après sa rencontre avec Erdogan, le dictateur Erdogan, qui était à Bakou hier. Aliyev s'est senti encore plus, comment dire, poussé des ailes tout simplement dans l'aile du pantouranisme, hein, donc entre Ankara et Bakou, donc qui mène une campagne pantouranienne au détriment de l'Arménie, qui veulent une zone turquifiée allant d'Istanbul jusqu'à Vladivostok. Voilà, donc en fait une nouvelle fois Aliyev a parlé du corridor Zangezur. En plus pire, il a dit que l'ouverture du corridor Zangezur est inévitable et le plus tôt sera le mieux, affirme Aliyev. Donc le plus tôt sera le mieux, cela veut dire quoi? C'est que si l'Arménie n'ouvre pas ce corridor de la Chine, ça sera la guerre. C'est une menace en fait, hein. Elle n'est même pas voilée, le plus tôt sera le mieux. Un chef d'État d'un pays étranger qui affirme ça sur pour le territoire d'un autre État qui est l'Arménie, c'est une déclaration de guerre tout simplement, hein. Donc voilà, l'Arménie est quand même souveraine de son territoire et là, Bakou essaye de donner des ordres à Pachinian, à l'Arménie, c'est inacceptable, mais Bakou a les moyens militaires de réellement de préparer la guerre. D'ailleurs, il se dit à Stepan Akert que Zakir Hasanov, le ministre de la Défense, a donné des ordres à ses troupes de se tenir prêt au Karabakh, en Artsakh. Prêt à quoi? Prêt à une attaque sans doute, donc voilà, d'envergure. En attendant la faiblesse des Russes tant en Ukraine que sur place, donc les 2000 soldats de paix en Artsakh. Bakou attend l'occasion pour récupérer le reste de ce territoire arménien, pour désarméniser, pour azériser, tout simplement pour faire du nettoyage ethnique avec le peuple arménien de l'Artsakh, les 120 000 Arméniens qui sont encore sur leur terre d'origine depuis la nuit des temps. Nous devons soutenir ces Arméniens qui luttent depuis plus de 6 mois, soumis au blocus et au diktat donc d'Aliyev et puis aux pressions hein, de l'Azerbaïdjan et de la Turquie derrière, bien sûr. À chaque fois que Erdogan va d'ailleurs en Azerbaïdjan, on voit des agressions qui se manifestent. D'ailleurs, Erdogan a évoqué la possibilité de l'ouverture d'un consulat de Turquie à Chouchi. Voilà, une nouvelle fois, le monde pantouranien, du pantouranisme, est en ordre de marche contre les Arméniens. Voilà, c'est assez grave. Entre-temps, les prisonniers, les parents des prisonniers donc de guerre arméniens disparus ont rencontré un responsable du gouvernement arménien qui s'occupe du dossier justement du comité permanent des affaires de défense de la sécurité de la République d'Arménie. Il s'appelle Antranik Kocharyan, vous devez le connaître, on le voit souvent à la télévision arménienne. Et les parents ont exigé, ont fait le point sur ces prisonniers de guerre qui seraient au nombre de 80 en fait, hein, malgré le gouvernement arménien avait publié donc la liste de 33 prisonniers de guerre. Il semblerait qu'ils soient beaucoup plus, 80 voire beaucoup plus tout simplement. Hier une nouvelle fois donc l'Azerbaïdjan a fait feu à l'est de l'Arménie dans la région de Gerarkonik sur Sot et Tretuk, donc c'est un village hein, donc frontalier dans la région de Gerarkonik, pas loin de Sotk. Donc les Azéris font à chaque fois une menace, essayent de faire désespérer les Arméniens en fait, hein, face à des attaques permanentes que les Arméniens doivent répondre. Tout ça parce qu'Erdogan était à Bakou, tout simplement aussi que l'Azerbaïdjan, Aliyev, essaye de faire jouer la terreur aux frontières de l'Arménie, comme en Artsakh d'ailleurs. Hein, voilà. Entre-temps, Meir Grigorian et Andrej Kasperzik, le représentant spécial de l'OSCE, du groupe de Minsk, donc ont discuté de l'ouverture probable du chemin de fer Yerask-Julfa-Merri-Horadiz, donc entre l'Arménie, le Nakhitchevan et l'Azerbaïdjan. Donc voilà, ils ont discuté ensemble. Meir Grigorian, qui est le vice-premier ministre arménien en fait, hein, voilà, donc qui a mené donc avec Andrej Kasperzik, voilà, donc le représentant personnel du président en exercice de l'OSCE. C'est un Polonais, hein, voilà, donc les discussions. Il faut par contre plusieurs années à l'Arménie, 1 à 2 ans, pour rénover les voies de chemin de fer, pour essayer d'ouvrir cette voie de communication.
tant souhaité par Poutine que Aliyev que Pachinian. Mais l'Azerbaïdjan, une nouvelle fois, malgré les accords du 9 novembre 2020, qui tenaient compte de cette ouverture hein, des voies de communication, n'applique pas réellement les engagements réalisés le 9 novembre 2020, comme on le voit. Et le dictateur Aliyev joue de la terreur pour essayer de gagner donc des territoires, gagner en... Ben oui, essayer de faire passer ce qu'il veut. D'ailleurs, il a affirmé que il y a quelques jours, que la diplomatie avait échoué durant 30 ans donc, pour le conflit du Haut-Karabakh et que seule la force, l'arme, avait parlé et avait fait gagner l'Azerbaïdjan. Donc c'est sur cette odeur de victoire que pourtant gagner avec des pays comme le Pakistan, avec 7 partenaires importants, contre la petite Arménie, contre l'Artsar, les Arméniens étaient tout seuls. Donc il n'a pas trop se glorifié, mais il a gagné la guerre grâce à ses alliés, bien sûr, dont la Turquie en premier, la deuxième armée de l'OTAN, les armes d'Israël et beaucoup de mercenaires pakistanais, beaucoup de choses. Donc enivré de cette victoire, Aliyev va encore grignoter sur le territoire arménien, même le sud de l'Arménie, le Zangezur après l'Artsar. Hier, donc, en fait, la mise en place d'un point de contrôle. Enfin, hier, il y avait une réunion. Donc, le Parlement européen a discuté du corridor de la Chine et du blocus qui frappe les 120 000 Arméniens par ce corridor de la Chine qui est fermé par l'Azerbaïdjan. Alors, je vais vous dire, il y a une intervention, une très belle intervention du député français, François-Xavier Bellamy, qui a interpellé le président, donc le ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne, l'Espagnol Josep Borrell. Et ce dernier est intervenu, en fait. Hein, donc voilà, il a affirmé que la mise en place d'un point de contrôle par l'Azerbaïdjan contredit les efforts visant à instaurer la confiance entre les parties. C'est ce qu'a affirmé Josep Borrell. Par contre, il a aussi dit que cette zone de l'Artsar, du corridor de la Chine, est en dehors de la zone de l'Union européenne. Donc voilà, c'est une partie russe. Que peut-être, en disant cela, l'Union européenne, Josep Borrell, veut un petit peu de se désengager et dire finalement c'est pas notre problème. On condamne, bien sûr, mais on va pas intervenir. Voilà, donc le message était assez clair. L'Europe n'interviendra pas de toute façon, ni par des forces de paix, ni par autre chose, contre Aliyev, avec lequel d'ailleurs l'UE a des contrats de fourniture de gaz pas très importants en fait, hein, c'est quand même, ça représente 2 et 4% des besoins de l'Europe, mais il y a toujours ça. Donc Ursula von der Leyen avait à ce niveau-là salué le partenaire fiable, vous vous rendez compte, qui était l'Azerbaïdjan. Donc voilà, donc aujourd'hui l'Europe joue entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, mais l'Europe n'interviendra pas, c'est assez certain. Il n'y a qu'une force qui peut intervenir, ce sont les Russes, s'ils ont le temps de respirer par rapport à la guerre en Ukraine. Et peut-être les forces peut-être on peut rêver des forces de l'ONU, peut-être, enfin des soldats d'interposition, des casques bleus en Artsar pour protéger la population arménienne qui risque à tout moment un génocide en fait. Voilà. L'Azerbaïdjan a mené des tirs ciblés en direction de l'usine métallurgique en cours de construction avec des investissements étrangers de l'ordre de 70 millions de dollars à Yelars, le village frontalier entre l'Arménie et le Nakhichevan. Les Azeris ont tiré sur des positions arméniennes et sur ces constructions donc de Yelars. Donc voilà, où on est, donc même du côté du Nakhichevan, en fait toutes les frontières de l'Arménie sont soumises à des attaques. Alors, je récupère mon chat qui était en train de regardez-le. il me laisse pas courir, donc faire mes informations. Voilà, il bouge, il grignote tous les câbles, tous les films. Enfin bon, il faut qu'il s'amuse, qu'il passe son temps. Pour vous dire, donc, on passe donc aux choses sérieuses, mes amis. Donc, vous m'excuserez donc pour cet intermède qui ça montre aussi le niveau de mes vidéos, hein, qui sont plutôt amicales et familiales que comment dirais-je, que de façon posée, de façon officielle. Voilà, de l'Azerbaïdjan, même à Yerask, donc a tiré sur des positions donc arméniennes, y compris le chantier de l'usine métallurgique en cours de construction, qui était en cours avec un investissement de 70 millions de dollars, avec l'Inde, donc a priori il y a un investissement de l'Inde et de l'Arménie sur cette usine. Donc même ça, l'Azerbaïdjan ne veut pas sur le territoire de l'Arménie que l'Arménie progresse, se développe.
Voilà, mes amis, où on est aujourd'hui. Donc, la situation, elle est quand même assez tendue aux frontières, très, très difficile. Et le monde, et ça, c'est vrai que j'ai reçu aussi beaucoup de messages. Vous êtes très irrité, bien sûr, à chaque fois. Vous me faites des messages en affirmant que, en fait, l'Azerbaïdjan est comme personne ne sanctionne. Oui, aujourd'hui, l'Azerbaïdjan bénéficie d'un, comment dire, malgré ce. C'est un pays voyou, c'est un État voyou, avec un dictateur voyou et sanguinaire. Et l'Azerbaïdjan bénéficie effectivement d'une carte blanche donnée par la communauté internationale, malgré toutes les discussions au Parlement européen, malgré toutes les sanctions de la Cour de justice de La Haye au mois de février, obligeant l'Azerbaïdjan à ouvrir son corridor de la Chine, sous peine de sanctions, mais qui ne sont jamais arrivées. L'Azerbaïdjan bénéficie comment, d'une carte blanche donnée par l'Europe, donnée par les États-Unis, donnée grâce peut-être à la Turquie, la médiation de la Turquie, qui est le partenaire tant des États-Unis que de la Russie. Donc en fait, voilà, Aliyev peut aller encore très loin avec les Arméniens, y compris poursuivre le génocide de 1915 de ses amis jeunes Turcs de 1915. Donc le futur, la suite du génocide, sans que le monde bouge. Alors donc, bien sûr, il y a quelques amis qui bougent, comme Bellamy qui est intervenu de façon brillante. Nous avons aussi bien sûr des amis, mais c'est pas suffisant. La stratégie internationale aujourd'hui favorise l'agression de l'Azerbaïdjan contre l'Arménie. Et il en va, parce que peut-être que cette stratégie internationale pense que l'Arménie est le corollaire et le satellite de la Russie qu'on va abattre. Donc du coup, les amis de la Russie passent aussi derrière, sans savoir que l'Arménie est l'ami de la Russie pour une protection toute simple, hein. Elle n'adhère pas aux idées ni de Poutine ni de dictateur, mais l'Arménie est obligée d'avoir un protecteur au niveau de sa sécurité, et c'est la Russie, voilà. Et malgré elle, l'Arménie est bien sûr bénéficiée de la protection de la Russie, qui s'est avérée, on l'a vu, pratiquement inefficace ces dernières années. Mais le monde, peut-être, en voulant à la Russie, en veut aussi à l'Arménie, et c'est peut-être pour ça qu'on laisse faire l'Azerbaïdjan, en espérant que l'Azerbaïdjan, un jour, tombe aussi dans le clan de l'OTAN, comme la Géorgie, alors que l'Arménie fait plutôt partie du clan de la Russie. Peut-être comment sont les contre-coups de l'OTSC, en fait, hein, à laquelle Organisation de protection de sécurité collective, à laquelle appartient l'Arménie, qui est un peu l'ennemi de l'OTAN. Et l'Arménie est peut-être bénéficiée, enfin bénéficiée, est attaquée à cause de cela. Bon, après, beaucoup de choses peuvent s'écrire, se dire, mes amis, on n'a pas la science infuse ni la vérité, mais en tout cas, elle est dans tout cela, en fait. Voilà, mes amis, écoutez, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à demain et bonne journée. Et je vais m'occuper du chat.